Bonjour et bienvenue, on se réveille où? Nous avons une aurore boréale en ce moment. Et possiblement une petite tempête. Donc la dernière fois j'avais expliqué qu'on voulait faire quelques petites choses. Donc on voulait aller sur la glace, récupérer l'ours. C'est vrai qu'on a blessé un ours en fait. Donc je voudrais qu'on aille voir si on peut le trouver. Personnellement j'ai envie de changer de zone en fait. Parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on est là. Et j'ai honnêtement envie d'aller au site de désolation. Alors pas pour crafter parce que... On va dire qu'on n'a pas vraiment les ressources pour crafter, genre couteau et tout ça, pas encore. En fait, j'ai envie d'y aller vraiment à la cool pour crafter cette fois-ci, en fait, dans cette saison-là, parce qu'on a déjà des armes et tout, donc on n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment besoin de rocher, l'arc de survie, les trucs comme ça, parce qu'on peut que le faire qu'avec le couteau, par exemple. Donc j'ai envie de prendre un peu mon temps, j'ai même envie de dire, genre, monter peut-être... Genre la cuisine à 5. Alors je sais pas trop combien de temps ça va nous prendre. Donc c'est pour ça que si jamais on va au site de désolation, on va pas faire le craft là-bas. Parce que déjà c'est chiant, parce que c'est à l'intérieur du bateau. Donc on risque de devenir fou. Donc je préfère aller par exemple à Muskegmorn. Donc j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour ça. Mais c'est vrai que j'avais envie d'aller visiter maintenant. Mais ouais, on a un ours qui traîne. On a quelques trucs qui traînent en fait. Ah, donc on va aller faire un tour sur la glace et on va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que honnêtement j'ai envie de bouger un tout petit peu. Ça commence un peu à me fatiguer ici. Alors après, fatigué, pas... Oui et non, parce que honnêtement on a que du combat quasiment tout le temps. Genre depuis 3 ou 4 épisodes c'est que de ça. C'est du tir au revolver, du tir au fusil, et voilà. Donc on combat toujours. Donc ce qui est assez intéressant. J'ai envie de dire. Ce qui est assez intéressant. On va sortir par là parce que je veux voir ce qu'on a comme nourriture. C'est vrai que ça change un peu. Parce que normalement on n'a pas autant de combats tout le temps pour notre survie. Mais là j'avoue que c'est. On va prendre ça. On a un à droite, un à gauche. Putain, je suis bloqué. Très très fort le vent. Très très fort le vent. On a une carcasse ici. J'ai envie de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire aller de ce côté là-bas et voir s'il y a l'ours en fait. Même notre torche. Parce qu'en plus on a la carcasse du loup, celle-là normalement elle est encore... En parfait état, donc du coup on pourrait récupérer de la viande et cuire les choses. Par contre, il y a l'ours qu'on avait touché, là j'aurais bien voulu... Oh, pas là devant là. Il y a une sorte de point noir. Ok. Ah, il n'y a plus rien à... Ok, il n'y a plus rien. La carcasse doit être complètement atteinte. Là-bas, là. Ça, c'est pas ça? Non. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop, là, du coup. 16 degrés. On va faire cuire du poisson, on va pêcher, on va pêcher alors. Voilà.
On avait vu que ça servait un peu à rien de faire de l'eau parce que ça mettait trop de temps. On va voir si ça marche. Peut-être qu'on va mettre ça comme ça. Et parce que là, il va falloir casser le trou. Je sais pas exactement combien de temps ça dure, ça. C'est pas une heure. Hein. Il doit être 20 minutes, 30 minutes maximum. Ouais, eau potable. Ouais, ça doit être 20-30 minutes. Si on fait ça et on pêche, 1 heure. Hey! Cool, ça marche. Allez, on va essayer de récupérer quelques trucs. Ok, cool. Très bien. Donc là, on a un poisson 42 minutes. On a perdu un peu d'eau, c'est pas grave. Okay, très bien. On gagne pas grand-chose. J'ai vraiment l'impression que c'est une perte de temps ce qu'on est en train de faire, mais bon. Ça nous fait monter le. Ça nous fait monter la pêche. On est d'accord qu'on peut rien récupérer. Hein, dessus. Ouais, non, on peut rien récupérer. Ah! Ah, ça m'aurait étonné aussi. D'accord, ok. On a 48 minutes. Ah oui, c'est gelé, donc je peux utiliser que que la scie, en fait. Fait chier. Ça, c'est embêtant, ça. Il faudrait faire un feu à côté, en fait. Pour dégeler la carcasse. Allez, donne-moi quelques poissons, genre 2-3, qui seraient bien. D'accord, ok, cool. J'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Bon, on n'a plus l'aurore boréale, c'est déjà ça. Je dirais qu'on finit la pêche ici. On finit notre feu, on finit la pêche. Ça fait beaucoup de bois gaspillé pour rien, honnêtement. Mais bon, bref, c'est fait, c'est fait. Et on retourne vers la maison et on essaye de trouver, genre, ou l'ours ou quelque chose à chasser. Je dirais, non? Il nous en faudrait au moins 600 ou 700 calories. On n'a rien du tout, quoi. C'est la galère. C'est la galère. On va pêcher 2 heures. Voir si ça nous aide. Le mieux, ça serait de pêcher plus longtemps, évidemment. Faire une heure, c'est pas vraiment le top, mais bon. On n'a pas trop le choix non plus. 376 calories, c'est nul. C'est nul. 35 minutes. C'est nul de chez nul. On va faire ça, ça nous augmente un peu la couture.
reste 47 minutes. Je crois qu'on n'a plus rien. On va garder le... On va garder le charbon. Ouais, non. C'était très pauvre. Très très pauvre, ce qu'on vient de faire là. C'est très pauvre. J'ai l'impression que c'était plus du gâchis qu'autre chose. C'est... Ouais. C'est pas la joie. Ah ouais, carrément. Eh ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, ça, on va pas le toucher pour le moment. Oh, l'ours, il est là. Faudrait qu'il vienne. On n'a pas de pierre. À chaque fois aussi, on me dit... Prends des pierres, ça les attire. Ou ça leur fait, ça les fait peur. Enfin, ça les dévie de leur... leur trajectoire. Bah ouais, mais bon, à chaque fois, je prends pas de pierre parce que c'est tout le temps très lourd. Ok. Là, par contre, lui, il faudrait ne pas le louper cette fois. Je sais pas si c'est le même, si celui-là qui vit ici... Parce que là, il y a une grotte, en fait. Celui-là qui vit ici est le même qu'on a vu là-bas. Je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée. Faudrait qu'il vienne un peu plus loin, proche. Là, je crois que c'est pas mal. Merde, ça lui a fait peur. Okay, fusil x2. Je pensais qu'il allait nous charger en fait, qu'on ait le temps de mettre une deuxième balle et après qu'on se cache en fait. De toute façon, il peut pas aller très très loin de ce côté parce qu'il y a l'eau après. Putain, il y a un cerf, il m'a fait peur ce con. Oh, il est là-bas. Il y a un cerf là, du coup, ça c'est intéressant, ça par contre. Ça c'est bien pour nous. Eh, mais tu vas méga loin. Hein. Je le vois à peine. Mais on peut aller aussi loin de ce côté? Je le vois plus. J'ai peur de tomber dans la glace en fait, dans l'eau là. T'es allé où? Bah merde. J'ai un peu peur. Je suis pas méga tranquille en fait. Ok. Ah
Ah bah c'est bien. Il est là-bas. Le problème c'est que tous nos vêtements sont froids maintenant et gelés. Yo. On est énervé, je crois. Voilà. Est-ce qu'on peut aller sur ça? J'ai un doute. Non. Oh là là. Maintenant, il nous faudrait plein de bois, en fait. Ouais, du bois pour faire du feu, pas du bois pour... pas ça. Il y en a plein partout en plus. Serre. Si nos vêtements sont trop gelés, on va devoir les enlever. Pour éviter d'avoir des gelures en fait. Devoir les enlever, sinon on aura des gelures directement sur les membres et ça on peut pas le, on peut pas les soigner. Je pense qu'on peut faire un feu assez longtemps entre le charbon à je pense qu'on peut... Il nous faudrait genre quelques brindilles de plus et je pense qu'on est bon. Il y a plein de on a plein de fagotins, donc à la limite on peut... Enfin on a plein, ça ce serait chiant de les gaspiller mais... Oh attendez, il n'y a pas une maison ici? Attendez, attendez, attendez. Peut-être qu'il y a une maison ici. Oh putain de merde. C'est tout des maisons brûlées. On a mais alors vraiment... Oh, je crois qu'il y avait du charbon. Ouais, c'est pas grave. On a vraiment, mais alors, pas de chance du tout sur sur les maisons. Il y en a un ou deux? Il y en a deux. On a vraiment, mais alors, zéro chance. Pour ce qui est des maisons qu'on trouve, elles sont toutes brûlées et tout, c'est incroyable. Là, il y a le cerf. Par contre, je voudrais pas que les loups, en fait, aillent sur le cerf, parce que sinon, ils vont prendre toute la viande. Ça me ferait un peu chier. Je crois qu'il a... Il a vu le cerf.
Ok, on va se mettre à côté, on va faire un feu extrêmement vite. On devrait être bon. Ok. Perfect. Ça va. Oh non! Ah, aussi une chose. Le mieux, c'est de mettre vos vêtements par terre. Ils se sèchent beaucoup plus vite. Donc, on pourrait faire ça. Le problème, c'est que je sais pas si on va avoir trop froid. On va voir. Je crois que c'est ou les jeter à côté du feu ou alors les enlever et les garder dans l'inventaire, mais je suis pas complètement sûr en fait. Ah, me dis pas qu'il a tué le cerf. Ah, ça nous fait chier par contre. Ça, c'est un problème, ça, par contre. S'il a tué le cerf, il est en train de le bouffer, il est en train de récupérer toute la viande. C'est pas ça que je vais faire. Je vois rien du tout. Un peu. Ok, tout est près du feu, le feu est très chaud, on est bon. On va prendre la fourrure, 32 minutes. Voilà, très bien. Très bien. 96% d'humidité, ouais, ça va. Tout est humide maintenant, plus, mais c'est plus gelé au moins. Je sens qu'on va devoir manger l'ours. On va aller voir pour le cerf. On est un peu obligé là. Là, on est en train d'aller voir un cerf, mais nu. Oui. C'est ça. C'est bien ça. Ok, il est là. Alors, le top, ça serait de l'amener... Pourquoi il court? Il a peur d'un loup? Est-ce que le loup est parti? J'en sais strictement rien. Ok. Ok, c'est pas mal. C'est embêtant parce que du coup on a utilisé quasiment tout le feu là-bas. Et le mieux ça serait de le déplacer là. Aïe aïe aïe, c'est vraiment un problème tout ça. Il nous faut vraiment plein de bois. Faire attention parce qu'il y en avait un autre d'ours ici.
D'ours, de loup, pardon. Vous avez vu? En tout cas, lui, il m'a vu. Allez, on retourne là-bas. Oh là-bas, c'est... c'est assez mouvementé, cet épisode, là, déjà. C'est un peu le bordel. C'est un peu dur à gérer, on va dire. C'est un peu compliqué à gérer. Je comptais pas tomber comme un idiot dans l'eau, déjà. Il y a un risque de gelure, c'est normal. Normalement, mais bon, on est bien. Minutes. Voilà. Hop, hop. Ouais. Pas mal. Attendez, c'est, là c'est résistance 3%. Comme ça, et là... là on a 10% d'humidité, là on a 20%. Ouais. C'est mieux comme ça, ok. Minutes. Est-ce qu'on peut faire un feu? On n'a rien du tout. On n'a strictement rien. Et après, moi, je voudrais bien aller récupérer du bois là-bas. Mais le problème, c'est que on a un loup qui se balade, donc on pourrait aller combattre le loup. Et récupérer le territoire et genre récupérer du bois, j'ai envie de dire. Je pense que ça serait le mieux, parce que là on va peut-être pas avoir assez avec les... Avec les petits bâtons, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va... C'est, il nous faut absolument de la nourriture, en fait. Et j'ai vraiment pas envie de manger de l'ours. Parce que sinon, on a un risque d'empoisonnement et tout ça. Et là, on a un cerf juste à côté. Il y a 7 kg de viande dans le cerf. Donc, à la limite, si on n'a pas besoin de cuire sur le tas... Mais ça serait quand même bien de pouvoir cuire sur le tas, évidemment. On va voir. Le reste, non, là on s'en fout, on va pas le prendre. On va pas le prendre, on va voir ça. Une... 13 minutes. Allez, on avance. Après, il y a des bouts de bois, mais il faut genre 10 minutes pour les casser. Là-bas, on a un plus gros bout de bois, on pourrait le scier avec la scie, je crois. Ou alors, il faut la hache à tout prix. Je crois qu'il faut la hache. On va voir. Enfin, on verra ça plus tard. Il est là, ce con, déjà. Il est déjà là. On va refaire la même chose.
Ah, j'ai froid. 45 minutes, 1 heure. Tout est très serré dans les... Juste là, ça. Tout est très serré dans le temps, en fait. Je pensais pas que ça allait le toucher. Je pensais avoir raté, hein. Honnêtement, je vais être honnête, je pensais avoir raté. À 20 minutes. Ok. Commence à bien neiger en plus. Ça c'est chiant. Commence à rien voir du tout. Elle est méga fatiguée aussi. Je remarque ça. Pourquoi elle est méga fatiguée? Je sais pas trop. Ça c'est quand on est tombé dans l'eau, je crois. Je pensais pas que ça nous fatiguait autant. Vous avez vu ça? Elle est épuisée, quoi. Ah, elle est à 32 kilos maximum. Bon, la bonne chose, c'est qu'on devrait être tranquille maintenant. Ah, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de champignons ici. Donc c'est plutôt sympa. Ah, ce qu'on peut faire aussi, c'est dormir, genre une heure ou des trucs comme ça. Genre à côté du feu. Par contre, je suis quand même vraiment, vraiment très, très dégoûté qu'on ait vraiment zéro maison, quoi, à visiter. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Je vais être honnête. C'est honnêtement une catastrophe. Ok, on va revenir vers le feu. On prend le steak, on se jette dessus, on le bouffe. C'est bon. On va survivre. Ah bah là, je... Ouf. Oh mon dieu. Ça me fatigue mentalement, quoi. Ah, là-haut peut-être, il y aura peut-être des branches aussi. Voilà, oh là là. Ça fait du bien. Voilà. Oh mon dieu. Très bien. Très très bien. Ça on va le mettre là. Ça aussi. Ok, très bien. Oh, on va pouvoir souffler un peu. 45 minutes, 30 minutes. On va prendre la viande. On prendra la peau à la fin. On va faire ça.
Voilà. Cuit. D'accord, c'est pas ça. 45 minutes. On va manger ça. On va boire. Voilà, on enlève la peau. On pourrait prendre la peau de du loup aussi. x2 peut-être. 9 minutes. Attendez, 9 minutes, on va faire ça. Cuit, très bien. Alors, 41 minutes, ok, mais bon. Pour enlever ça. Il reste encore une heure. 32 minutes pour ça. On va avoir une tempête qui va se lever, donc ça sert à rien de... Ça sert à rien de continuer. T'es à combien ? Ouais. On va rentrer. On a récupéré quoi ? Peau de cerf, peau d'ours, peau de loup, de la viande. On va laisser la viande ici. C'est pas grave. Ok, maintenant on avance doucement. Évidemment, faut qu'il y ait du vent pile devant nous. C'est bien, ça me fait plaisir, ça aussi. Ça. Le bonheur pur. Bon, ça a été mouvementé. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup tiré. Avec le fusil. On a monté niveau 2, fusil. Non mais t'es sérieux, le vent il souffle où là? Ah, comme ça, ça a l'air bien. On a tué un ours, deux loups, un cerf. On a pu récupérer dans les 7 à 8 kilos de viande de cerf. Ce qui est bien. On a récupéré la peau de l'ours, la peau du cerf. La peau du loup. C'est du très bon boulot. J'ai envie de dire. Ah, c'est bon. J'ai envie de dire que c'est... Ah mon dieu, le vent il s'arrête. Il a... Oh. J'ai envie de dire que c'est du très bon boulot. Bien. On va peut-être pas rentrer à notre camp. On va peut-être rentrer. On va aller là-bas. On va aller là. On va aller sur la petite île. Je me demande s'il n'y a pas un sous-sol quelque part, peut-être. Genre une cave, mais je crois pas, hein. Honnêtement je crois pas. Ça m'agace hein, d'être ralenti, mais faut pas qu'on sprint, parce que sinon ça va être encore pire. Oui. Là on a pris, là on a pris. Là il y a un cerf. Alors attends.
12 minutes. On va voir. Si ça fait un feu, on peut faire cuire un thé, récupérer de la chaleur, et on prend les 2 kilos qu'il y a de viande. C'est la galère, c'est la galère. Ça va nous réchauffer. Ok, on a 27 minutes, voilà, très bien. Minutes. Non. Non. Ok. Très bien, on y va. Non. Ah ! La peau. Combien de temps la peau? 48 minutes, 32 minutes. Ouais, non, non. On va pas trop, hein? On va pas trop tenter non plus, hein? On va se calmer. On aurait pu la prendre la peau quand même. Je pense que si j'avais pas, genre, pris la torche... non, le feu n'aurait pas été assez fort, et on n'a plus de fagotin. Non, le feu n'aurait pas assez fort, et on a plus de fagotin pour l'augmenter. C'est un cerf qu'il y a sur la gauche, j'espère que c'est un cerf, s'il vous plaît, faites que tout ça soit un cerf. Et pas une bestiole qui veut me bouffer les miches. Je crois que c'est un cerf, ouais. Donc on pourrait aller chasser ce cerf-là aussi. Bon à savoir, bon à savoir. Très bon à savoir. Ah, ce qu'on a bien fait, en fait, ce qui a bien marché, parce que vous savez que quand il y a les aurores boréales, bah du coup, il y a que des prédateurs. Et du coup, impossible de trouver des cerfs et tout ça. C'est très compliqué. Mais dans notre péripétie, vu qu'on est allé pêcher, qui était un peu du gâchis, comme j'ai dit, vu qu'on n'a rien récupéré de bien. Mais le truc, bah, c'est que ça a fait partir l'aurore boréale, quoi. L'aurore boréale s'est arrêtée. Dis-moi qu'on peut monter. Dis-moi qu'on peut monter. Dis-moi qu'on peut monter, s'il te plaît. Merci. J'entends des bruits. Il y a plein de bois. C'est bon ça.
Oh, on y est. Non, oh, ça fatigue. Bah, on y est, ça va. Ouais, on y est. Donc on peut aller dormir. Vous avez vu, on est complètement épuisé. On est complètement épuisé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir le plus possible maintenant. Et après, on va ressortir pour récupérer des choses. Par contre, on va se mettre là. Alors, on a récupéré aussi, je crois que c'est quoi? Un livre. Sur dépecer. Honnêtement, les livres pour dépecer servent strictement à rien. Parce que nous, on n'arrête pas. Enfin, en théorie, vous n'arrêtez pas de dépecer des choses non-stop. Donc ça sert un peu à rien de les lire. On a des torches, on a récupéré tout ça en viande, ce qui est très bien. On va manger ça. Bien. On va dormir le plus longtemps possible. J'ai même envie d'utiliser une tisane pour qu'on on récupère plus de vie. Mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est pas vraiment trop nécessaire. Et j'ai pas posé mes objets. Ah mon dieu, je suis bête. Je voulais déposer mon... La peau et tout ça. C'est pas grave. Attends. On a un lit de 6. Ça. Très bien. Ah là 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 là. On va manger celui-là. Faut manger celui-là. Voilà, là on est bien là. Ok, parfait. On est à 41 kg sur 35 parce qu'on a la viande. Ça va. On a ça. Très bien. Ouais. Ce qu'on pourrait faire... Alors, je sais pas s'il y a des choses à casser ici. Honnêtement, je pense pas que ça soit vraiment bien. Ouais, il nous faut une hache. Ouais, non, il n'y a rien vraiment à casser d'intéressant en fait. Qui va nous donner genre du bois. Non, on peut rien vraiment, on peut rien faire en fait. Non, on va prendre quelques rideaux. On va prendre 2, 2, 3 rideaux en plus. Enfin, de tissu plutôt. Non, ça suffit. On sort, on récupère du bois. Il est à combien de pourcents le fusil? Ça aussi, faire attention. 67. Le revolver, il est à 59. SPC. Ok, on est pas mal. Alors, est-ce qu'on rentre ou pas? Si on récupère pas mal de... Attendez. Voilà. Si on récupère pas mal... de bois et que le cerf est toujours là, j'ai envie de dire pourquoi pas tenter le tir. Putain, le bruit que ça fait ces trucs. Mais il faut vraiment qu'on récupère pas mal de bois. Et honnêtement, j'ai pas l'impression qu'on va en avoir assez. J'ai l'impression qu'il y a un loup qui me tourne autour. Normalement, non. Normalement, on devrait être tranquille. Je sais même pas où il le sert.
très bien. Ouais, non. Je pense qu'on va mettre fin à notre épisode. Je vais faire encore un peu le tour, voir pour récupérer du bois ou ce qu'on peut trouver. On a encore 2 steaks à cuire, on va pas le faire maintenant. On pourrait le faire, mais on va garder le feu de côté. On va ramener toute notre viande de chez nous, du coup. On a le loup aussi. Où on peut récupérer la peau. On va rentrer. Vous voyez, c'est vache. Aussi, il y a un truc que j'aime beaucoup depuis que. Bon. Petite parenthèse, on a rajouté les mods et tout ça. C'est le kérosène, en fait, le fuel qu'on récupère, qu'on a dans le jerrycan. Du coup, on peut vraiment bien l'utiliser, je trouve, pour les feux. Parce que normalement, c'est pas vraiment la chose que vous utilisez pour les feux. Vous les gardez surtout pour les lampes. Encore une fois, parce que vous êtes toujours limité, en fait, par rapport à ça. On va le ravitailler parce qu'on a. Voilà, on avait ça qui avait 0,18 je crois, enfin 28. Donc voilà, on a tout mis dans le jerrycan. C'est moins lourd, c'est magique, faut pas demander. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est plus simple. C'est plus simple pour ça, et on peut se permettre de l'utiliser pour faire des feux. Et c'est vrai que ça rajoute, c'est plutôt intéressant quoi. Et c'est pas, honnêtement, c'est pas tricher parce qu'on pouvait toujours utiliser ça pour les feux, donc c'est pas nouveau, c'est pas comme si c'était nouveau. Mais le fait qu'on puisse transférer en fait le contenu de l'un dans l'autre, bah du coup on est plus limité par ça, parce que ça c'est quand même un problème de gameplay au final. Ça j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup et du coup bah, je l'utilise, j'en abuse un peu, même au risque de plus trop avoir de fuel. Mais après, bah, on ira pêcher et on en récupérera. Quoi. Ça rajoute pas mal de gameplay, pas mal d'options, en fait, je trouve. Donc ça, c'est vraiment bien. Vraiment bien, ce mode, par rapport à ça. Parce que sinon, vous êtes obligé de vous trimballer tous les jerrycans que vous trouvez dans le jeu. C'est con, hein. C'est con, mais c'est comme ça. Faut prendre tous les jerrycans dans le jeu, parce que vous pouvez pas les transférer, rien du tout. Une fois que c'est dans la... Dans la lampe, ben ça reste dans la lampe indéfiniment, c'est fini, c'est mort. Vous pouvez plus vider la lampe, vous pouvez pas la vider. Donc ouais, très très chiant. En parlant de lampe et tout ça, c'est vrai que nous là on se trimballe avec la lampe et tout. Mais bon après on est toujours dans le noir donc on sait jamais. Mais c'est vrai que ça pèse lourd, hein. On est quand même très très... On va dire qu'on lutte bien hein, par rapport au poids. Hein. On lutte bien. On a même le fusil maintenant. C'est lourd ça aussi. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué mais ça va. On fait avec ce qu'on a. On fait au mieux. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. C'est ça que je vais faire. Ah, les fagotins aussi c'est pas mal. Encore une fois ça permet de faire des feux courts. Mais assez chaud, mais c'est vrai qu'il dure vraiment pas longtemps, donc après il faut faire un choix. Est-ce qu'on fait des feux très chauds pour nous réchauffer très vite, ou alors plus long pour pouvoir faire cuire? C'est pas en 5 minutes qu'on cuit un steak de 1 kg de cerf, quoi. Ça fait, je crois que c'est quoi, 50 minutes pour le moment pour nous. Mais c'est vrai que le coup des fagotins aussi c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, et je les aime tellement en fait ces choses-là, ces mods et tout. Je pense que je vais avoir un problème quand je vais rejouer à la version vanilla du jeu. Ouais, on est bon. On est bon, on est bon. On va s'arrêter là. On va donc finir notre... Putain. Aïe. Enfin, quoique, non, c'est pas grave. J'ai pas envie de sortir et de re-rentrer et tout ça. On va dormir directement, c'est pas grave. On va prendre ça.
Donc on va s'arrêter là. Bah, c'était un épisode fort en action encore une fois. Ça arrive souvent, même trop souvent en ce moment. Donc la prochaine fois, on va continuer. Alors, on a un peu de bois. Pas énormément. On a encore 2 steaks à cuire. On a à peu près 5 à 6 kilos de viande qui nous reste de cerf, ce qui est ok. C'est pas énorme encore une fois, mais c'est ok. Je pense qu'on a vu qu'il y avait un cerf qui traînait. Peut-être qu'on va essayer de se le faire aussi. Et quand on aura pas mal de nourriture de côté, je pense qu'on va partir encore une fois pour le site de désolation. Comme ça, on ira visiter. Parce que j'ai vraiment envie de... Ouais, j'ai vraiment envie de visiter en fait. Pêcheur glace, ça aurait été bien de passer à 2. Accommodage bientôt 2, ça c'est bien. Niveau 3 pour le revolver. Le fusil, on est 2 plus maintenant. Très bien. Le feu aussi, ça c'est bien. La cuisine, ça monte, mais c'est très très long. Hein. C'est très 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 long. Donc, bon, ça c'est un peu embêtant. Mais ouais, ça avance bien. Ça avance bien, j'ai envie de dire. Ça va, on se débrouille bien, je suis content. C'est dangereux, c'est mouvementé. Il faut, faut avoir joué à Call of Duty pour jouer à The Long Dark maintenant. Il y a des loups qui tombent partout, il y a des ours et machin, faut bien tirer à chaque fois, c'est compliqué. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao, ciao.